Salut, c'est Yabalex. Aujourd'hui, pas besoin de tenue de camouflage, car on va apprendre à construire un nichoir pour oiseaux. Dans certains endroits, les moineaux par exemple ont du mal à trouver des sites pour nidifier. Et comme c'est toujours plaisant d'observer la vie sauvage, je vais vous montrer étape par étape comment construire un nichoir de type boîte aux lettres pour accueillir les moineaux. La première étape consiste à préparer les matériaux dont vous aurez besoin pour construire votre nichoir. Vous aurez besoin de planches en bois, d'une scie, d'un mètre, d'un tournevis, d'une scie cloche de 3,5 cm, de vis, d'une perceuse, d'une lime à bois, d'un crayon et de deux charnières. La deuxième étape consiste à découper les planches aux bonnes dimensions pour construire le nichoir. Vous devez découper deux planches pour les côtés, une planche pour le toit, une planche pour le fond, une pour le dos et une planche pour l'entrée. Une fois que toutes les planches ont été découpées, vous allez commencer à assembler le nichoir. Mais juste avant, percez le trou d'entrée de 3,5 cm pour un moineau. Vous pouvez utiliser une scie cloche ou faire plusieurs trous et faire une entrée régulière avec la lime à bois. A l'aide de vis, assemblez les côtés avec le fond, ajoutez l'entrée du nichoir, enfin, ajoutez le toit grâce à deux charnières. La dernière étape consiste à ajouter les finitions. Faites un petit système pour empêcher le toit de s'ouvrir avec le vent. Vous pouvez ajouter une couche d'huile de lin pour protéger le bois et une couverture pour le toit. J'utilise une ancienne bâche blanche que j'agrafe avant de fixer le toit. Et n'oubliez pas de percer quelques trous dans le fond pour permettre l'évacuation de l'eau. Voilà, votre nichoir à oiseaux est maintenant prêt à être installé. Choisissez un lieu calme, en hauteur, à l'abri des chats et où l'activité des oiseaux ne vous causera pas de nuisance. Il existe de nombreuses variantes pour les nichoirs. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous prendrez plaisir à observer les oiseaux dans leur nouvel habitat. Posez-moi vos questions dans les commentaires et avant de vous lancer, consultez l'article en détail dans la description. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo.